pas un petit peu parler. Nibenhao. Ben, si je veux donner un petit résumé de ce qui s'est passé avec moi, d'abord c'est une énorme surprise parce que j'attendais pas de voir cette organisation avec cette importance, pas du tout. Avant, j'ai eu dans le passé, en 2006, des invitations pour venir à Shanghai. J'avais aucune idée, j'ai refusé. Mais là, je suis venu, j'étais invité par des amis, ils étaient des clients ou amis. Et arrivé ici, je suis toujours sous le choc agréablement. Je suis très impressionné par cette ville de 23 millions. Tout bouge à une vitesse de lumière. Et surtout, j'ai eu de la chance de collaborer, de connaître Madame Tsui, Marie Dalda, la fondatrice. Et c'est une lancée, c'est un petit premier pas à Shanghai. Je suis très, très, très content. Je préfère, si quelqu'un peut me poser des questions, parce que c'est tellement long à expliquer. J'ai vu tellement de choses, je ne peux pas résumer en une minute. Il faut que les questions soient un peu plus précises. Ben, comme il n'y a personne qui veut me poser, alors je dois continuer. C'est à part aussi la force de Marie Dalgar. Je me suis promené pour la ville, j'ai vu les quartiers, j'ai vu le quartier des galeries, là où on a pris une galerie pour moi spécialement privée. Je suis très content, flatté pour ça. J'ai vu aussi cette énergie qui dégage aussi, qui ressemble à la mienne de Marie Dalgar. Et je crois la fusion entre ces deux énergies, entre moi et Marie Dalga, ça va donner quelque chose d'important bientôt. Ok. Ok. Zéoui. Zéoui. Zéoui.